Amis internautes, un gros bonjour pour nous tous et matin là. Nous et dans Delma 31 là. Côté que monsieur et Phantom 69, eux-mêmes, ils sont dans la rue là. Et mais nous avons gardé et agent SWAT eux-mêmes qui étaient venus et venus pour comment on était capable de venir faire parler avec les policiers. Mais monsieur eux-mêmes, ils sont vraiment hostiles par rapport avec agent SWAT là. C'est une situation qui est vraiment compliquée dans une minute là. La situation est vraiment compliquée là. On a regardé monsieur yo a parlé avec agent SWAT là. Je n'ai pas suivi là, c'est parole en pile entre SWAT et monsieur Phantom 69 là. Voilà, et à Colotte Gabay là. C'est une situation qui était vraiment compliquée, mais rapidement ça résout. Ça résout, mais agent SWAT eux-mêmes posé. Et n'a pas rappelé le mouvement ça il levé par rapport avec l'arrestation et 5 agents et UDMO et dans le cadre dossier et le mort maître et mon frère Doval là, mais police ça a une libération yo, mais jusqu'à présent et agent BLTS et Pascal Jean Alexandre lui-même l'hypoco joue une libération et c'est ça qui met qui élevé colère et la caille monsieur Phantom 69 le même il dit Jodia Fok et Pascal Jean Alexandre lui-même lui joue une libération et n'a pas rappelé et Pascal Jean Alexandre c'était une monde qui a boumé pour syndicat PNH campé et depuis mois de mai lui-même lui incarcéré en dans pénitentiaire nationale d'Haïti ça qui vient écraser et apparemment mouvement Phantom 69 là mais n'a pas plagué Fok et Pascal Jean Alexandre lui-même les jeunes libération aujourd'hui là. Voilà les amis internautes ou sous Addict Press ou à continuer à suivre comment la situation lui-même lui a évolué en dedans de la 31. Voilà, n'a pas permettre vivre là. N'a pas permettre vivre comment la situation lui-même liée en dedans de la 31. Voilà, c'est voilà, on a regardé comment la situation lui-même a évolué là. Et voici l'arrivée de reste agent force de l'ordre là, lui-même qui est à peine apparaître là. Voilà. Monsieur à peine apparaître là, j'ai eu de mots. Voilà. Il a demandé pour journaliste sur le bac. Voilà, ça c'est agent force de l'ordre même qui est arrivé là. Monsieur arrivé là. Voilà. Monsieur. On a rappelé que monsieur Phantom 69 a déjà quitté l'espace là. Il a déjà quitté l'espace là pour y aller et de l'autre côté. Mais nous-mêmes, nous allons continuer à suivre pour nous permettre à internautes nous même suivre et comment la situation lui-même a évolué. Voilà, on a regardé agent force de l'ordre là, ou même 4 mois de Mounio quitter l'espace là. Voilà. Voilà, on a regardé. Et à Japon de la Douloua, qui a demandé le chauffeur moto quitter l'espace là. Voilà. Je vous suis là, les amis internautes, ou sous Addict Press. On nous suit comment la situation lui-même a évolué dans le niveau d'Elma 31. Amis internautes, on va suivre pour soit Addict Press comment la situation lui-même lui a évolué dans le niveau Delma 31. Côté que monsieur et Phantom 69 yo à peine incendié CRLDIA, qui c'est centre de réception et de livraison de documents d'identité. Voilà, c'est dit là, voilà, c'est dit ça, où est là. Et...
ville plate. Et sans dire, et je regarde où sont les articles presse, je regarde comment la situation lui-même lui a évolué. Voilà, je vais suivre là et amis internautes, où sont les addicts presse, je vais suivre et comment la situation lui-même a évolué dans Delma 31 et côté où vous regardez et Udmo DDA. Udmo DDA, lui-même qui était venu là, qui était venu côté mes fortes avec ça. Voilà. Et policiers même qui autorisaient quelques citoyens. Policiers même qui autorisaient quelques citoyens là lui-même à voyer de l'eau pour être capable d'éteindre du feu ça lui-même qui t'a propagé en dedans. Ouais, archive nationale. Voilà, je vois que de là. Le DG Yon de là. Le point de bouffe de l'eau. En danois. Les amis internautes ne sont pas capables d'entrer dans la boue parce qu'on est dans le tournoi là. On est dans le tournoi. Voilà, et avec un peu de souplesse, mon agent et SWAT, lui-même, lui, parler avec les journalistes pour nous-mêmes pour quitter l'espace là, parce que, en bas, mon cabri, t'es un incident pour ça que t'es arrivé. Voilà, t'es un incident qui t'es arrivé, et les policiers font qu'on est que, il faut qu'ils protègent les journalistes. C'est la raison ça qui fait que nous-mêmes, et journalistes, nous pas entrer. Nous pas entrer dans l'espace là, parce que, et agent SWAT l'a demandé, et il faut que nous fassions back. Faut que nous faisons back juste pour nous et si t'as une explosion, si t'as une explosion pour nous-mêmes journalistes, nous pas victimes dans le cadre de travail. Vous êtes là, faites tout ça. Si vous gaz pas, vous voulez même m'appeler. Tout le monde a pris. Voilà. Elle a explosé le bâtiment. Voilà. Et qui donc n'a pas de pompier là, n'a pas de pompier. Et agent SWAT là et qui nous fait connaître que si tu as une explosion, si tu as une explosion, nous-mêmes nous ne sommes pas victimes. Nous ne sommes pas victimes, c'est ça qui fait. Dis pas d'accord, nous-mêmes journalistes nous entrer juste pour nous capables à le filmer comment en danger. Mais entre-temps, c'est une situation qui a évolué là. Voilà, ça c'est du feu. C'est du feu lui-même qui a propagé en dedans. Voilà, du feu qui a propagé là. Je suis capable de suivre les amis internautes. Où sont addictés prêts, je vais suivre comment la situation lui-même lui a évolué dans le niveau d'Elma 31. Voilà, tout est en pile unité spécialisée dans le PNH. Ils sont même là. Ils sont là juste pour être capable de voir comment ils sont capables de porter et soutenir
avec du FUSA lui-même qui a propagé dans le centre de réception et de livraison de documents d'identité. Voilà, c'est la nuit là. C'est la nuit là. Voilà, les amis internautes, vont suivre là, nous toujours dans le cadre, nous toujours dans Delma 31, dans le centre de réception et de livraison de documents d'identité, là, côté, et M. Fantôme 609, saute passé là, et yo mettait du feu dans et maison ça. Voilà, je vais regarder là, c'est du feu que M. Fantôme 609 là, dans le centre de réception et de livraison de documents d'identité. Et c'est une situation qui est vraiment compliquée. Et là, c'est appel qu'a fait et pour voir comment le pompier lui-même est capable de venir et éteindre du feu ça, lui-même qui est dans CRLD, qui est le centre de réception et de livraison de documents d'identité. Voilà, et tout agent et BRI, soit toi-même, il y a là, juste pour capable d'aider. Mais ça lui-même n'est pas fin à dommage net, mais c'est contact qui a fait là, voilà, comme c'est Delma qui défend là, c'est contact qui a multiplié là pour voir comment pompier était capable de venir pompier Delma était capable de venir et venir éteindre du feu ça lui-même qui a propagé en dans CRLDI. Voilà, amis et internautes ou sont invités prêts à suivre comment la situation lui-même lui a évolué dans Delma 31 là. C'est la pouille. Et la bouillie. Mais qui est un peu curieux là, voilà. Qui est un peu curieux dans le niveau Delma, qui a suivi comment la situation lui-même a évolué dans le niveau Delma 31 là. Voilà, c'est l'agent force de radio qui est là. Ouais, amis et internautes, on va suivre comment du feu lui-même lui a propagé dans le centre de réception et de livraison de documents d'identité, mais jusqu'à présent, beaucoup de intervention pompier. Intervention pompier, beaucoup qu'a fait, mais ces contacts qui ont multiplié là, et nous sommes à regarder le commissaire Delma, commissaire police Delma lui-même, voilà, nous sommes agent Brio même qui gagne les pas quitter espace là, voilà, évidemment. Évidemment, agent Brio même qui parle quitter ce passage là, il est non blindé. Agent Brio là, il va quitter ce passage là. Il apparemment va quitter ce passage là. Effectivement, les amis internautes, on va suivre comment la situation lui-même lui a évolué là et comment du feu à lui-même lui a propagé en dedans. Mais jusqu'à présent, pompiers pour qu'apparaître. Et ça qui est la cause pompiers pour qu'apparaître, nous pas qu'on est, mais nous-mêmes nous là, on va suivre comment la situation lui-même lui a évolué en dedans et centre de réception et de livraison de documents d'identité. Voilà.
Jean ça a été annoncé, à partir de lundi, c'est opération bouler tout et bouler tout bâtiment l'État, avec tout le monde qui est là-dedans, jusqu'à ce que Pascal Jean-Alexandre, lui-même qui est agent et BLTS, et lui-même qui est incarcéré dans la pénitentiaire nationale depuis mai. Mais jusqu'à présent, Pascal Jean-Alexandre Foucault qui a joué une libération. Qui donc, opération Boulet Bureau l'État, qui a commencé. Voilà, là, regardez, côté que les de réception et de livraison de documents d'identité, lui-même l'a pris. Un espace où fait et passeport, un espace où fait et carte d'identité et tout ça et lui-même c'est espace à lui-même qui a pris du feu dans le moment qu'il n'a pas de là. Mais jusqu'à présent, pourquoi il y a une intervention pompière qui fait là, pompier pourquoi paraître, pompier pourquoi paraître malgré un pile contact que le commissaire Delmar lui fait pour est-ce que pompier était capable de paraître dans l'espace là. Mais jusqu'à présent, pompier pourquoi paraître. Est-ce que c'est messieurs Fantôme 69 eux-mêmes qui est quadrillé espace pour pompiers arriver dans l'espace là, nous pas connaît. Mais ça qui est sûr certain, et jusqu'à présent, pompiers pour comparaître. Nous avons regardé Tiblendea, qui vient agent Brio, Tiblendea lui-même, qui a quitté l'espace là. Évidemment, les amis internautes, ou toujours sur Addicté Presse, pour suivre comment la situation lui-même lui a évolué dans le niveau d'Elma 31, plus précisément dans le centre de réception et de livraison de documents d'identité, côté que l'espace là, lui-même lui a pris du feu là, côté que M. Fantôme 69 a été annoncé le 8 heures de temps au juin jusqu'à lundi pour Pascal Jean-Alexandre lui-même lui joue une libération. On a rappelé Pascal Jean-Alexandre lui-même lui c'est un agent et BLTS même qui est incarcéré en dans la pénitentiaire nationale depuis le mois de mai dernier. Et jusqu'à présent, et Pascal Jean-Alexandre dit beaucoup Jean-Mka joue une libération. Et j'ai négocié annoncé à partir de lundi depuis Pascal Jean, pas lui-même joue une libération. Et c'est pour l'opération brûler tout et bureau l'État. Évidemment, c'est ceci est fait. Et c'est comme ça que vous regardez. Et nous-mêmes, nous avons traité là, côté que nous avons suivi et Santana, lui-même, qui a pris du fait là. Il y a ONI, il y a immigration, il y a un pile bureau l'État là-dedans. C'est lui-même qui a pris du fait là. Mais jusqu'à présent, pompiers, pour que jamais qu'apparaître. Pompiers, pour que jamais qu'apparaître. Nous ne connaissons pas qui ça qui explique l'axis là, beaucoup de l'État. Qui fait pomper pour que j'aime qu'apparaître, mais ça, c'est certain, nous-mêmes, nous toujours là pour nous permettre de vivre comment les situations lui-même lui a évolué dans le niveau centre de réception et de documents et de livraison de documents d'identité. Thank you.